Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 34, ouais, je crois que c'est 34, 34e épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors je vais peut-être, oh, zut, voilà, remonter mon micro et éviter qu'il se prenne dans le câble. Alors, bah, on va surveiller un petit peu tout ça. Oula, on a une attaque. Ouh. Cette fois-ci, je vais pas oublier ce que j'oublie à chaque fois. Non, toi t'as une titan. C'était mon sapeur qui avait pas de titan, je crois. Voilà. Titan. Très bien. Ensuite, il faut que j'équipe avec ma super... voilà. Ma super arme, le canon à alliage. Ça, c'est bien. Ensuite, j'avais pas fait d'autres trucs. Non, je crois pas. Je crois pas. Donc, du coup, on va y aller avec ça. Ça y est, je les ai équipés, enfin, ça fait 2 épisodes que je les avais pas équipés. Voilà, alors, faut approcher les civils pour les évacuer, minimiser les victimes civiles, neutraliser tous les ennemis. Ouais, c'est comme d'habitude, quoi. Centralisation en Alors. place. Liaison confirmée. L'équipe Strike est en position près du site d'attaque. Attendons confirmation. Donc c'est un truc en longueur. Strike One, alpha vert. Les civils passent en priorité. Faites tout votre possible pour les protéger. Donc ça pue, mais vraiment les chrysalis. Ça c'est à peu près sûr. Les chrysalis, les mectoïdes. On va avoir droit à tout le barda, je pense. Donc là il y a plein de civils. Arrêtez de hurler. Alors je sais pas si vous les entendez beaucoup, mais moi je peux vous assurer que je les entends bien. Il y a plein de civils qui gueulent. C'est assez n'importe quoi. Alors. Oh la vache, le canon à alliage, c'est énorme quand même. Attendez, attendez. Ça continue là-bas? C'est pas juste en longueur? Ah non, on dirait que c'est fermé là. Oh, ça m'a l'air d'être juste en longueur. Hein. C'est très bizarre. Ah, tu vois toujours rien. Ça m'embête un peu que tu vois toujours rien. Parce que ça veut dire que potentiellement, il y a pas qu'un ennemi. Hey. Ça m'embête genre bien là. Je suis bien embêté. Parce qu'il n'y a pas de couverture, bon. Ah oui, mais c'est mon sapeur quand même, faut que je me méfie. J'y vais tout de suite. Alors. Ouais, on sait qu'il y a quelque chose. Où est mon gros Koubiak? Voilà. Qu'est-ce que tu vois? Rien! J'ai sauvé un civil. Mais pourquoi il voit rien, quoi? Il est censé y avoir des bestioles, quand même. Alors. Toc. On va avancer encore. Hein. Toujours rien. Allez, toi, tu montes. Ok, deux... qui se sont barrés. C'était deux planeurs lourds. J'y vais tout de suite. On va pas trop s'occuper des civils. Suffira d'éliminer d'éliminer tout le monde. Alors toi tu vas sprinter là-haut.
histoire que tu vois un peu mieux ce qui se passe. Bon, si on peut sauver des civils au passage, c'est pas mal. Mais enfin là, l'objectif, c'est surtout d'éliminer les ennemis avant qu'une ne tue trop de civils. Ce qui m'embête, c'est que les deux planeurs sont barrés. Ah. Ok, d'accord. Pas franchement ce que je voulais. Reconfiguration de la matrice. Yes. Eh, hey, c'est pas mal. Il y a encore un très réflexe. Ah, et ben. Yes, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Ouais, là par contre, du coup, ça veut dire qu'en fait, ils sont 4. Ok, celui-là raté, bon. J'ai combien de persos? Ouh, c'est quoi cette arme? Donc. Alors. Où est mon fusil de précision? 97. Le truc, c'est que tu le tues pas. 77. Alors attendez, on va peut-être avancer un peu. Oh merde. Ah oui. Ah oui, en plus j'ai perdu de la visibilité. Bon. On va peut-être pas commencer par toi. Hein. Peut-être pas commencer par toi. Ça fait un peu de la merde là en fait. C'est pas assez quoi. On va essayer ça. 9, c'est bien. Tir de roquette. Ouh, là il y a un joli petit tir de roquette à faire là. Ça coûtera des dégâts à un allié. Ah oui, il est possible qu'il y ait un civil dans le coin. Ah oui, il était même fort possible qu'il y ait beaucoup de civils. Oups, je viens d'en tuer deux. Bon. Joli, 4. 1%. Alors 1%, c'est un peu tout pourri. Ce qu'on va faire. Fusillade. Tu bouges ton fion. Un petit 100%. 10, boum. Ah t'as 65. 65 c'est pas énorme quand même. Mais tu peux le tuer. Alors, donc là on est plutôt pas mal. Sauf un problème. Les chrysalis de là-haut. Ah oui, il restait toi aussi. Bon ok, toi c'est bon. Ouais, mais il reste les chrysalis, donc à la limite. Ok. Ce qui m'énerve, c'est que là, on va avoir droit à deux zombies. Les zombies, c'est jamais très cool. Voilà, on a 100% et 100%. J'aime bien, c'est que mon sniper se sert de son sniper comme d'un pompe. Ce qui est quand même pas donné à tous les snipers. On dirait moi qui joue à un FPS. Là, je vous assure, moi, quand je joue au FPS, je joue pratiquement qu'au sniper et je m'en sers comme un pompe. C'est un peu bizarre, je sais. Encore que, ça dépend. Soit je m'en sers vraiment comme d'un sniper, auquel cas je fais le gros campeur. La grosse campeur, ça veut rien dire la grosse campeur. Soit je m'en sers comme d'un pompe, donc je fais au corps à corps. Mais enfin, il faut que je sois bien équipé pour le corps à corps. Alors par contre, on a le droit à des résurrections et merde.
Oh la vache, ils sont combien? Oh, il l'a eu. Pas mal ça. On va peut-être te mettre en vigilance plutôt. Ce sera peut-être plus efficace en vigilance. Voilà, donc lui il remonte. Il se ressuscite. Toi aussi. Ce qui est assez embêtant parce que c'est quand même 10 fucking points de vie. Bon, ok, ça va. C'est quand même 10 points de vie. En plus, ils font bien bobo. C'était pas mal. T'as pas intérêt à me taper, ça va. 6. Oui. Le truc c'est que on merde 10 en critique. Oh là 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 là. Ok, heureusement qu'il n'a pas encore réattaqué le même. Bon, alors là, on a un gros souci. Je vais commencer par lui. Éliminé. C'est encore à moi. Je vais t'enchaîner. Là par contre ce qui va m'embêter c'est que je risque d'avoir mon sniper en, on va dire en réparation. Il va être blessé. Donc là on a encore une cible facile. Donc à la limite tu vas finir tout le monde. C'est tellement violent ce sniper. Un truc de fou. Par contre, il va être blessé, je pense. Ah, il a été violent sur ce dernier tour, il en a fait 4 d'un coup. Bah ouais, blessé 2 jours, ça va. Je pense que je peux me le permettre. En plus, j'ai eu de la mêlée. Ça donne quoi, la salle de surveillance? Attendez, indice de panique en baisse, c'est... Ah non, c'est l'Afrique du Sud. J'ai rien dit. Même Argentine et le Brésil, ça aurait pu baisser un peu plus. Hein. On nous signale plusieurs tentatives d'enlèvement. Leur emplacement est indiqué sur l'hologlobe. Ah ouais, d'accord. Argentina, Égypte. Le truc, c'est que j'ai bientôt plus besoin de scientifiques, en fait. J'ai bientôt fini toutes les recherches. Ce qui m'embête aussi, c'est que j'ai toujours pas mon sniper. Ils en sont à combien? Tiens, j'ai un sniper. Ah oui, d'accord. Alors. Yeah, c'est celui-là que je veux. Et... Ouais, on va essayer ça, tir incapacitant. Voilà, donc au moins on a ça. Zut, laisser 2 jours. Est-ce que je peux tenir 2 jours? Oula. Ah merde, j'ai fait passer les enlèvements. Bon bah dommage. J'ai fait une grosse connerie. Oh, la connerie du jour quoi. Parce que du coup, ouais, ça, grosse connerie. Commandant, nos satellites sont parés au lancement. On est prêt à aller... Satellite. On va lancer un satellite. C'est urgent. Regardez la Russie. Et on aura le bonus expertise. Quoique le Japon, c'est pas mal non plus. Plus un ingénieur. Ok, on a récupéré au moins le Nigeria. Enfin, c'est la galère, les mecs.
Donc on a le relais hyper-onde. Oups, j'ai cliqué sans faire exprès. Alors le relais hyper-onde. Maintenant que nous savons faire fonctionner la balise à hyper-onde, je me demande ce qu'elle nous apprendra. En attendant, nous devrions essayer de repérer des ovnis. D'accord. Non, pas de scope. Couverture satellite déployée sur le Nigeria. Alors, sabotage d'Exalt. On va faire une opération secrète, pas avec nos colonels, non. On a un sergent sapeur qu'on va envoyer qui était bien. Oh, c'est la grosse merde là par contre. Armure fantôme, on arrive au bout. Hein. Alors, ok, des pistolets plasmiques, des pistolets plasmiques, des pistolets améliorés. Et le dernier, et on n'aura plus de recherche du tout. Allez, squad d'extraction. On est parti, faut l'équipe de malades. Empêcher Exalt de pirater notre encodeur. Ok, on y va. C'est une mission assez classique, il faut protéger une zone. Voilà, cette fois-ci, ça va être normalement assez simple. Ils vont avoir vraiment tendance à se cracher sur notre équipe. Ça m'embête d'avoir laissé passer le... Ah oui, d'accord. Les deux, tout espoir de récupérer les données intactes sera perdu. Objectif mis à jour. Attendez, faut qu'on sécurise lequel? Celui-là ou je suis l'autre? J'ai pas capté là. On est deux dans le doute, mais... Ouais, d'accord. Bon, bah dans ce cas-là, on va se mettre. Hein. On va diviser en deux. Même si ça m'embête. Alors... Hop! C'est quoi ça? J'ai dû voir quelque chose, mais genre... avec son dernier pas. Dans le doute, tout le monde va sprinter. Ah merde! Ah oui, mais là genre grosse... méga grosse merde! Bah non, pas tant que ça en fait. Quelqu'un essaie d'accéder à l'encodeur, commandant. Ne laissons pas Exalt pirater cet appareil ou ils trouveront le transmetteur. Là, j'ai juste envie de faire un méga shot à coup de... à coup de roquette quand même. 5 sur 5. Et toi, tu te caches. Là par contre on va se faire bien pilonner. Alors, surtout si on rate nos tirs de contre-attaque. Cible toujours en vie. Ok, deux tirs ratés c'est bien. Là je croise les doigts en fait. Là je suis vraiment en train de croiser les doigts devant moi. 6. Ça va. Merde, 7. Oh non. Ah non, c'est un fumigène. Le
Oh là 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 là, ça fait 20 minutes. Oh putain de merde. Oula, que c'est pas bon, que c'est pas bon, que c'est pas bon, que c'est pas bon. Mais s'il n'empêche que on va devoir arrêter là cet épisode parce que ça fait 20 minutes. Ouais, je regarde un peu ce que je vais pouvoir faire. Tir de roquette, est-ce qu'il rentre? Oh, il rentre. Allez, juste pour le plaisir. Ah merde. Va aller chercher le transmetteur, il faut les arrêter. Objectif mis à jour. Sauf que là, ils sont bien dans la merde. Avec ça. Bon, c'était peut-être un petit peu con. Enfin, du coup, j'en ai mis plein d'un coup. Y a fusillade. Je vais quand même faire ce tour là. Je vais quand même faire ce tour là. Ah, ça m'énerve. Pour rester poli. Allez, tiens, prends ça. Toi, tu vas avoir le droit à une jolie grenade frag dans la gueule. Voilà. Il a son compte. De toute façon, je pense que je pouvais pas vraiment faire autrement. Où est mon sapeur? Tu veux dire que mon sapeur, il a déjà tapé? Eh merde. C'est très embêtant. On va se placer et puis on va attendre le prochain tour. Bien sûr, je bouge. Ce qui m'embête vraiment. Exalt a envoyé des voilà. Renforts vers Strike One, commandant. Juste pour ça. Voilà, donc je suis plutôt embêté, mais ça va être pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine, salut à tous !